Encore deux petites minutes. Moteurs principaux activés. Trajectoire calculée. Ennemi détecté. Contact prévu dans 4 minutes. À vous de jouer. Reçu. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau walkthrough de Supreme Commander Forgot Alliance. Nous avions terminé le dernier Supreme Commander dans le précédent épisode. Je vous invite à regarder la fin de l'épisode de la mission 6 des Aeon pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Vous avez quelques indices sur Forgot Alliance. Mais tout de suite, nous allons commencer. Donc... D'accord, tout a été sauvegardé. Donc, tacticiel, on s'en fiche. Introduction, on s'en fiche, c'est quand même de voir. On va commencer par cinématique de progression, puis après opération jour noir. A savoir qu'il n'y a que 6 missions différentes que vous pouvez faire avec n'importe quel des commandeurs. Donc, FTU, Aeon ou Cibran. Simplement, il faut savoir que simplement les objectifs secondaires changent dans ces missions. Donc voilà. Donc on va voir la cinématique là. Je vous laisse lire parce que tout est en anglais. Je vous mettrai sur pause si vous avez besoin de voir. Donc voilà.
A savoir que le jour X est le jour de l'invasion, donc ça va durer plus de 2 ans et demi que l'invasion a commencé. Donc, opération jour noir, Griffin 4, la nouvelle capitale d'Aftus, subit une attaque conjointe des forces de l'Ordre et des Séraphines. Fort Clack, la dernière force, place forte encore debout, est défendue par le brigadier général Fletcher, un des meilleurs officiers de la FTU en théâtre d'opération. Si Fort Clark tombe, la FTU tombe également. Votre mission est de vaincre les commandeurs Séraphine et de l'Ordre et de sauver Fort Clark. Alors, on fera comme précédemment, on fera déjà tout avec la FTU, puis après tout avec les Cibans, et on terminera par les Zion. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ces salauds nous ont trouvés. Ils ont envahi la planète, et maintenant ils attaquent Fort Clark et les zones résidentielles alentour. L'aventure est finie pour nous, commandeur. Fort Clark est notre dernière base d'opération, et tous nos itinéraires d'évacuation sont coupés. Si nous tombons aujourd'hui, les Séraphim et leurs serviteurs auront les mains libres pour massacrer les humains de la galaxie. Nous devons nous retrancher et tenir notre position. Le général Fletcher a atterri sur la planète et dirige les défenses de Fort Clark. Nous allons ouvrir un second front. C'est pourquoi vous êtes au sud de cette position. Voici votre zone. Deux bases de l'Ordre y sont implantées. Et elles fournissent des renforts destinés à l'assaut sur Fort Clark. Vous devez détruire toutes leurs structures et puis continuer. Allez au nord pour rejoindre Fletcher. Lorsque le siège de Fort Clark sera levé, vos deux armées devront trouver et détruire le commandeur Séraphim. L'échec n'est pas une option, commandeur. Donc voilà. Bien évidemment, les briefings sont les mêmes en fonction des missions, mais j'y laisserai comme ça pour ceux qui n'auront pas vu les autres épisodes. Ils pourront profiter de l'histoire intégralement quand je ferai les autres campagnes. Voici l'une des deux bases ennemies de la zone. Réduisez-les toutes les deux en poussière, puis contactez Fletcher. Il y a une ligne d'artillerie ennemie qui protège les bases. Ce sont des cibles d'opportunité, mais si vous les détruisez, cela vous facilitera grandement la tâche. Une fois que vous vous serez chargé de la base principale, nous... Ah, je détecte des vaisseaux de combat ennemis. C'est l'heure d'y aller, pendant qu'il est temps. Bordel, ils attaquent la porte. Descendez sur la planète, vite. Donc vous avez droit parmi les trois factions. En fonction de certaines missions, vous aurez des bâtiments prédéterminés de base, mais ça change aucun problème. Donc on va commencer avec la FTU. J'ai passé par avant. Commandeur attaqué. Et vous présenterez un peu les modifications dans cette vidéo par rapport à l'épisode précédent. C'est pas passé loin. Commandeur, faites votre boulot. Donc il nous faut ça et ça. Débarquez dans un beau bordel, colonel. Je suis content de vous voir. Ah, j'ai mal dit. Quoique, je pourrais. J'aurais pu peut-être terminer par FTU pour une fois. Là, donc, nous avons des sous-marins ici. Or, je prends une nouvelle unité, déjà le Perceval. Le générateur de bouclier endommagé vous protégera des tirs ennemis. Préparez-le. QG terminé. Unité d'assaut en gros. Alors déjà, première modification, c'est déjà la gestion de la masse. L'extracteur de base fournit 18. Un fabricateur fournit 12. Nous chargeons les plans du Perceval dans votre UBC. C'est un robot de siège qui peut aller dans l'eau. QG est terminé. Je réfléchis, mais en fait, je vais peut-être pas commencer par cette faction là. Enfin, ce sera pas un peu que je tournerai. Mais je vais peut-être vous mettre en ligne avant les Cibrans. Ah bon. Donc. Ça peut pas, donc l'économie, j'en ai parlé. Modification maintenant, c'est que les unités ont 5 niveaux de vétérans. En fonction d'un certain nombre de kills, le premier rang de vétérans augmente de 10% IPV, le second de 20, 30, 40, 50, jusqu'à 50. Donc mon robot a 7000 points de vie, s'il arrive au vétéran 5,
ben il aura 10 500 PV. Notre commandeur pareil, il aura, il peut aussi augmenter en rang. Donc profitez-en. Un avantage que vous pouvez avoir. Alors il y est. Là où il y a nos objectifs, il y a notre limite de pop maintenant, ce qui est génial. Donc on nage plus à aveuglette. Et maintenant qu'on sélectionne nos unités, on va toutes les auras d'un coup. Ici on va les auras de tir, on va les auras de sonar. Mais en zone combinée, c'est plus des traits superposés de leur zone. C'est que maintenant c'est vraiment. Mais par exemple, on va pas les deux traits à la fois. Si je prends les deux unités, on va deux zones combinées. Est réparé, fonctionne à pleine capacité. QG terminé. Ce qui en soit très agréable. Maintenant on voit directement ce qui nous suit par la suite, hein, bouclier, etc. Donc il n'y a plus de mystère sur nos logiques de recherche. Les sous-marins ennemis patrouillent dans le détroit au nord de votre zone de départ. Détruisez-les. QG terminé. Donc voilà, alors ça c'est bon. Alors, deux nouvelles unités, l'ingénieur militaire, je crois qu'elle était déjà présente avant, mais c'est robot fateuse. Il est vital que vous repreniez votre progression dans les terres au plus vite. Des millions de vies sont en jeu. Avec Perceval, robot saut amphibie, vitesse lente, mais très puissante pour attaquer en fait les défenses. Parce qu'il possède une grande portée de tir. Les points de vie des unités ont totalement été revus aussi. Globalement, les unités ont beaucoup plus de vie que précédemment. Mais les dégâts ont aussi changé, l'échelle des dégâts a énormément été modifiée. Ce qui fait qu'il y a une compensation entre les deux. Voilà. Donc ça c'est bon. Là maintenant, en faisant les améliorations d'ingénierie, vous augmentez les PV, ce qui est très agréable. Donc ici il n'y a pas de modification. Ah, c'est première modification, vos gâteaux de masse c'est maintenant un tech 2 et puis tech 1. Pour éviter rush, pas de générateur d'énergie, pas de générateur de masse, parce qu'il y en a qui en abusaient un peu trop. Je connais un peu les combines qu'il y a eu quand même. Linux se construit maintenant très lentement, donc ne comptez plus faire de partie avec Linux, ce qui est dommageable, parce qu'on peut interdire dans les paramètres de partie Linux, donc au pire vous les interdissiez, mais là ils ont vraiment nerfé à fond, et le seul Linux valable c'est vraiment le Linux du commandant de la FTU. Donc l'interface est beaucoup plus ergonomique aussi. Et ça, je pense que vous vous en êtes rendu compte en regardant un petit peu. Donc, on fait le radar, l'omni-radar, bien évidemment. Que là, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Vous avez une touche. Attendez, on va baisser un petit peu la vitesse. L'émission reset longue. Vous avez en une seule touche, vous avez tout le monde de la même couleur, donc c'est vraiment très agréable. Pareil ici. C'est comme vous, là, ici, on peut directement, par exemple, voir directement dessus. Je vais toujours forcément voir, par exemple, je vais voir direct en permanence sur ma grande map, je vais voir mes défenses antiaériennes, jusqu'où elles vont, mes défenses anti-navires aussi, les contre-mesures, les boucliers notamment. Et tir direct et tir indirect, j'ai envie de voir. J'ai toujours envie de voir, par exemple, sur ma map, j'ai toujours envie de voir mon omni. Voilà. Donc, à zone là, je sais que je verrai toujours les unités furtives à portée de mon radar. Donc, voilà. Après, c'est vraiment un détail, mais c'est vraiment très agréable. Des signaux pour vos alliés, en gros, dépasse-toi ici, j'aurai besoin d'aide ici, attaque là. Ce que je peux afficher ou pas, ça je vais pas le modifier parce que je le garde comme elle est. Enfin, je peux toujours vous montrer. Mode cartographie, ça fait tour particulier. Bah, ça peut être utile pour notamment constater où sont les défenses et comment passer. Par exemple, ici on voit très bien que c'est des grandes chaînes de montagnes. Donc il faudra passer par ici.
Mais ici, vous zoomez un peu, vous voyez tout de suite aussi. Voilà. Partage de vue. Comme ça, je peux faire deux choses à la fois. Sur deux. Afficher les ressources, bien évidemment, sur la map, parce que vous voulez. Et si je veux afficher la minimap, par exemple. Vous voyez, je peux avoir une minimap. Donc, partage de vue, c'est quelque chose qui est vraiment génial. Que j'utiliserai pas parce que j'en ai pas besoin. Mais en multi, c'est vraiment. Quelque chose de très agréable. De pouvoir jouer en. Un écran scindé avec un seul écran, c'est génial. Et mine de rien, ça change énormément de choses. Donc là, on va. Priorité, c'est de rajouter énormément de défense anti-aérienne. Donc ici, on va rajouter. Voilà, donc là on va construire quelques percevals. Je sais pas si. Voilà. Là je vous présente une tourelle qui a déjà 3 niveaux de grade. Vous voyez, il y a beaucoup plus de PV. Et surtout, l'avantage des levels dans ce jeu, c'est qu'au moins vos troupes se régénèrent d'eux-mêmes. Une fois qu'ils ont au moins atteint un niveau de vétéran. Ce qui est, je trouve, extraordinairement agréable. Et cette fois-ci, vous avez vraiment l'impression qu'il y a une utilité de garder vos, de protéger vos troupes. Ce qui n'est pas forcément le cas avant. Votre aide ne serait pas de refus, colonel. Détruisez ces bases dès que possible. Je sais. Colonel, général que. Regardez, général Fletcher. Donc vous avez vu les premiers raids là quand ça envoie vraiment des raids massifs, donc c'est pour ça que je me suis très vite. J'ai très vite fait énormément de DCA et j'en ai pas encore beaucoup, j'en manque même, ça se voit. Et mes boucliers sont en train de souffrir. Certaines batteries d'artillerie sont toujours opérationnelles. QG terminé. Pas mal de focus qu'ont mes ennemis. Ça, on fait sauter. Pour le bouclier. Voilà. Donc, ceux-ci, je vais les envoyer attaquer la ligne là. Donc, vraiment agréable. Et en plus, je trouve que. Le HUD des bâtiments vraiment plus agréable, enfin de section beaucoup plus agréable aussi. Donc Tweedy Kill gagne un rang, d'accord. Donc vraiment, voilà, c'est. Supreme Commander 1 était très bon hein, déjà, mais. Le HUD tout ça dessus ici, après, ils ont vraiment fait quelque chose de bien. Ils sont pas reposés sur les lauriers, ils ont vraiment. Fait en sorte que le jeu soit bon. Qu'on n'ait pas l'impression ben que ça soit un jeu bis quoi. Juste en gros le premier marché donc on en fait vite fait un autre pour que ça marche, non, et ça se voit qu'ils ont bossé dessus. Donc voilà, ici priorité. La première position d'artillerie est détruite. Ben non, je vais s'imaginer quand on est en facile ou normal, il y a beaucoup moins de positions d'artillerie, moins de navires, etc. Moins de navires. Destruction de la seconde batterie d'artillerie confirmée. QG est terminé. Par contre, très agréable de. Voilà, donc là mes unités vont maintenant avancer un petit peu ici. J'ai perdu un de mes janteurs de bouclier, ce qui me prouve que je les ai mal mis. Voilà. Oh, qu'ils soient en retrait. Là par contre, vraiment mettez-les en retrait, vous. Voilà. Donc là mes boucliers prennent cher. Il me faut rapidement plus d'énergie. A savoir qu'aussi les fabricateurs de masse ne prennent plus que 1000 en énergie du fait qu'ils ont divisé par 2 leur production.
Ils ont quand même pas été trop vaches. Hein. Les extracteurs de masse sont donc maintenant beaucoup plus intéressants à en prendre par rapport à avant. Maintenant, vu qu'ils produisent 18 par rapport à ce qu'ils produisent à 12, ben, ça vous force à y les prendre. Ça donne envie d'aller les prendre en plus. Donc, vraiment très bon point de leur part. Voilà. On voit tout. Il n'en retourne que des vivants. Ici, je vais faire d'autres robots. Vraiment, c'est des robots là qui ont un impact de l'émission, mais très agréable. Et ce qui est bien dans toute dernière mission de ce jeu, de la campagne, vous pouvez avoir accès, si vous jouez avec Commander Sebron, vous aurez accès à toutes les unités de toutes les factions. Donc vous aurez à dispo tous les prototypes de chacune des factions. Ce qui en soit très agréable. Voilà. Donc eux ils vont ronger le côté A. On va bon, mon bouclier qui lâche, c'est normal. En difficile, le bouclier tient pas. Ah mince, je suis pas Sebron, ils ont pas de torpilles. C'est puisque les robots de siège des Sebron ont des torpilles, donc c'est très agréable. Ça aussi, bon, à savoir que c'est une Tega quand même, elle est ultra puissante, une cadence de tir assez lente. Mais le robot de siège reste quand même une. Excusez-moi, je perds ma voix. Reste quand même une excellente arme. Une batterie d'artillerie en moins, plus qu'une. QG terminé. Pour combattre, parce que par exemple, pour gagner mes robots de siège, double canon plus lance-roquette tactique. Ce qui est quand même agréable. Et généralement maintenant vous ferez beaucoup plus de compte. L'artillerie perd un peu de son de sa superbe, mais elle restera quand même toujours puissante. Donc utiliser de l'artillerie est toujours envisageable. Hein. Vous voyez là, lentement il régénère ses PV, donc c'est très agréable. Donc ça c'est bon, ma base est pratiquement opérationnelle. C'était la dernière. Position d'artillerie neutralisée. QG terminé. De toute façon, là, c'est des objectifs secondaires qui vous invitent vraiment à les faire. Voilà. Ils font très mal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les usines aériennes au nord. Voilà. Donc, ça, je vais prendre ça, je vais l'enlever. Ici, il me faudrait une porte quantique. J'aime bien réparer cette base. La remettre dans l'état qu'elle est d'origine ou l'améliorer même. Ici, on va mettre mes usines aériennes. Et depuis que j'ai commencé à faire les vidéos, c'est vrai que j'arrête de renforcer mes extracteurs de masse. Ah, j'ai oublié de planter un truc, mince, excusez-moi. Il y avait un commandeur de soutien ici que j'ai fait sauter, d'où la petite explosion là. Une explosion bien moins violente par rapport à une explosion du BC. Donc la stratégie, vous faites pas un commandeur de soutien, vous les balancez dans les navettes pour faire exploser la base ennemie, ça ne marche pas. J'ai dû essayer.
qu'on démolit vraiment les bases. À fond. Ça c'est bon, donc ça il faut encore que je les améliore. Toc. Ah oui, c'est la seule mission où vous pourrez comparer la taille des unités aussi. Enfin, c'est une des missions où vous pouvez facilement avoir une ordre de grandeur du jeu. Toc 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 toc, juste que je retrouve où c'est. Voilà. Un lampadaire, donc le lampadaire c'est sûrement la taille actuelle des nôtres, donc voilà. Donc je vais amener un UBC à côté. C'est pour ça que cette mission est géniale, c'est que c'est là que je me suis rendu compte vraiment de la taille des unités. Et le commandant qui fait deux fois la taille. Voilà. Un commandant fait deux fois la taille d'un lampadaire, donc voilà. Et le robot fait un petit peu plus que la taille de l'unité, d'accord. Donc voilà. Je vais vous présenter ça parce que y en a qui m'avait posé la question. Bon, je vous y réponds, excusez-moi. Voilà. Donc je vais s'imaginer la taille des prototypes. Hein. Par contre ici je vais rajouter deux générateurs d'énergie pour un bouclier. Voilà. Je m'excuse de ce début de partie assez lent. Assez totalement lent en plus, si je peux me permettre. Cette base là vous la démolissez entièrement. Et une base en moins, QG terminé. Je sais pas, ils peuvent la démolir.